Coucou les petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, nous sommes dimanche. Il est 3h30. Et j'ai terminé mon album de Noël. Alors, ouais, tu vas me dire, putain, mais super tôt. Et tout début octobre, et déjà, tu fais un album de Noël. Oui, j'avoue, c'est vrai. J'ai fait un album de Noël. Fin septembre, début octobre, parce que j'ai participé au concours de Titi Scrap. Scrap Titi. Titi Scrap Titi. Enfin, je te mets ça en barre d'infos. Alors, s'il te plaît, ma Titi, parce que je sais que tu t'es abonnée il n'y a pas très longtemps à ma chaîne. Donc, si tu veux bien, s'il te plaît, ne pas regarder cette vidéo avant de recevoir l'album. S'il te plaît, tu serais super, super, super gentil parce que ben j'ai envie que tu le découvres en vrai, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je compte sur toi pour, si tu as commencé à regarder, à vite éteindre cette vidéo pour pas regarder. Allez, donc je vous ai dit donc que je participais donc en cours de. Du concours de Titi Scrap ou Scrap Titi. Oh, je ne sais jamais dans quel sens on dit. Et donc, elle voulait une création donc, avec le thème de Noël. Soit Noël traditionnel, c'est-à-dire le vert, le rouge, vraiment les couleurs traditionnelles de Noël. Vert, rouge, le doré, l'argenté, enfin, voilà. Ou alors Noël façon couleur pâle, couleur poudrée. Voilà, c'est ça. Le bleu poudré, rose poudré. Enfin, tu vois, Noël ton pastel. Très pastel, très doux, très. Donc voilà. Alors, je n'avais pas grand-chose sur le thème de Noël. Enfin, tu sais, j'ai des trucs par-ci par-là, des die-cuts, des trucs comme ça. Mais j'avais pas des masses de papier. En plus, pour faire un album, tu sais qu'il faut pas mal de papier. Et puis, bah, quand tu as utilisé tous tes papiers, bah, t'en as plus assez pour, même avec des chutes, pour faire les rabats, les cachettes, parce que tu sais à quel point j'adore faire des cachettes dans mes albums. Et puis, j'avais pas trop, parce que j'avais des chutes. Dans ma collection de papier, il n'y en avait que 6. J'avais que 6 papiers qui étaient recto verso et en doublon. Mais voilà, j'aime pas que ça soit trop répétitif non plus. Je voulais quand même que ça s'harmonise, mais que ça soit pas trop rondondant, quoi. Donc, j'ai quand même réussi à faire quelque chose avec. Ce que j'avais à la maison. Et puis, j'ai ma chérinette qui, l'année dernière, m'a laissé une belle boîte avec plein de trucs de Noël aussi. Donc, ça m'a beaucoup aidée parce que, heureusement que j'avais la boîte de ma chérinette pour me dépatouiller. Non, tu reconnais la fleur, là, ma chérie, que tu m'as envoyée, là, il n'y a pas très longtemps de ça. Alors, ma chérinette, vraiment, tu m'as sauvé la page. Oui, tu m'as sauvé la vie. Je ne sais pas si tu te rappelles d'un album que j'avais fait avec des sachets en papier, qui pour ma part était un désastre. Vous aviez beaucoup aimé, mais moi c'était un désastre parce que j'avais été trop bourrine, il y avait des pages qui s'étaient arrachées, j'avais pas compris le système pour le collage des papiers. Enfin, bref, j'avais envie de recommencer. Et je me suis dit. Faut pas que je reste sur un échec. Faut pas que je reste sur un échec, il faut que je recommence. Donc j'ai pris ce genre de petits sachets en papier craft comme ça, qu'on trouve un peu partout. Tu sais, quand tu vas au rayon des légumes, maintenant t'as beaucoup de sachets comme ça. En papier craft pour y mettre tes légumes. Donc ça se trouve vraiment facilement.
Même ça peut être des sacs plus grands, plus petits. T'as des sacs avec des anses et tout. Enfin, la taille importe peu en fin de compte. Moi, comme j'avais des papiers en 15-15, donc il me fallait. J'avais une collection en 30-30, mais pas avec énorme de. Comme je te disais, c'était un peu rébarbatif. Et puis, j'avais pas mal de papiers en 15-15. Donc voilà, je pouvais pas prendre un grand sac parce que une fois que j'avais utilisé mon 30-30, bah, avait pu, tu vois. Donc, j'ai pris ces sachets-là. Et c'est tout bête, tu prends ton sachet comme ça, tu prends le cul, hop, cul contre cul. Tu mets de la colle ici, 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 pas en haut, parce que ça te fait une pochette. Ça te sert de rabat. Si tu mets pas de colle en haut, ça te fait une pochette de rabat. Et voilà, tes pages sont faites. Tu vois, là, hop, t'as deux pages déjà pour un album. Tu colles les plis, tu mets de la colle ici, tu fais pareil de l'autre côté, hop, et déjà les pages de ton album sont faites, et en plus, tu as tes cachettes pour mettre des tags, des livrets, de tout ce que tu veux. Donc voilà comment est-ce que j'ai confectionné cet album. Bien évidemment, je n'ai pas mis que deux sachets, j'en ai mis plus. J'ai mis 6 sachets et j'ai relié, une fois que les deux pochettes sont collées, j'ai relié avec un petit, un petit papier en forme de U. Que tu te retrouves ici, mais qui ne se voit quasiment plus avec avec les papiers et tout ça. Donc tu vois, c'est comme ça que j'ai relié mes sachets. Je sais pas si je suis très explicite, mais si tu veux, je fais un tuto, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, cet album ne vient, la construction de cet album ne vient absolument pas de moi. J'ai piqué l'idée à, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'essaierai de retrouver j'essaierai de retrouver la personne de qui la construction de l'album vient. Donc allez, c'est parti. Je te montre comment est-ce que j'ai décoré et tout et tout et tout et tout. Donc ici, c'est un moulage, le Père Noël dans son traîneau et le cerf. C'est un moulage que ma chère Inette m'avait envoyé l'année dernière. Ici, avec les petits flocons aussi, ça vient du moulage du Père Noël. Bon, tu vois pas, mais j'ai mis de la colle pailletée dessus. Et j'y ai collé des sequins, des strass de diamants, et ici, les petites boules que tu vois ici, c'est tout simplement, c'est de la colle chaude. J'en ai mis ici, ici, j'en ai mis un peu partout. La fleur, c'est une fleur en tissu que m'a envoyé ma chère Inette, et j'y ai ajouté au bout des pétales une peinture acrylique dorée. Que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps de ça à Truffaut, je crois. Ensuite, voilà, ça c'est vient de papier. Ça vient du papier. Merry Christmas, Scrap Mir.
Krakmir avec un petit journaline, petite carte de journaline, parce que ça vient d'une collection de 15-15 de Cartabella que j'ai eu. J'avais eu dans la box tout en colle. Ici, c'est une carte de journaline de ma collection 30-30 de Scrapmir. J'ai mis ça comme ça, comme ça. Elle peut mettre une photo, coincer une photo. Elle peut la changer. Elle peut, voilà, parce qu'elle en peut. Ça, qu'est-ce que c'est, ça? Donc, ce sont des flocons. J'ai entouré avec de la colle pailletée pour faire des boules de Noël. Enfin, voilà, là elles sont pas très bien faites parce que j'arrivais pas trop à... Je m'étais pas exercée avant et j'arrivais pas trop à utiliser la colle parce que ça faisait des trous, c'était pas très régulier. Donc ici, tu as une petite pochette où j'ai mis des petits tags que ma sirénette m'a envoyé. Ici, j'ai fait une scénette. J'ai tout détouré. Ça, c'était sur une feuille. Ça faisait partie d'une feuille 30-30. Papier 30-30. J'ai tout détouré, comme tu peux constater. J'ai mis du Glossyaxant pour faire un effet de relief brillant sur le cœur des roses. Où il y en a deux. Ici. Ici. Et... Il y en a un autre, je ne sais plus où il est. Ici, j'ai mis un petit papillon. Un nœud papillon au cerf, parce que je trouvais ça trop rigolo. Et la maman au cerf qui regarde son Bambi, qui regarde avec tendresse son Bambi. Les étoiles de feuille, j'ai maté donc avec un petit papier de 160 grammes noir. Les étoiles de feuille, eh bien, là, je refais un grand, grand, grand merci à Tata Poupon, parce que c'est grâce à son stylo qu'elle m'a offert pour mon anniversaire que j'ai réussi à faire ça. Et donc, ça m'a bien été utile pour, rendre cet album un peu moins rondondon. J'avais pas assez de papier 30-30. Pour que ça fasse trop répétitif. Donc, j'ai pris le stylo de Tata et j'ai fait des petites étoiles dorées. Voilà. Donc, comme ça. Merci encore, Tata. Ici, nous avons encore une pochette où j'ai mis des petites scraps bidules. J'espère que Titi sera contente. Ensuite, ici, nous avons une page 30-30 que j'ai coupée en deux. Donc, tu vois, ça fait bien la continuité. Ici, il y a du foil, mais je ne sais pas si tu vas le voir. Et là, en fait, j'ai collé un rabat dans la pochette. Ça fait ça. Comme ça, donc ça c'est de la collection 30-30. Et ici nous avons tout un truc en accordéon. Qui se regarde face à face, donc elle pourra mettre des photos. Ici, encore une pochette avec un petit livret où elle pourra y mettre des photos.
Oh non, c'est tombé tout au fond. Oh merde. Voilà. Ah mince, je mets le à l'envers. Ça va pas aller. Et donc ça se déplie bien sûr pour accrocher au sapin. Comme il y a des rappels de noir, je me suis dit que ça pouvait être concordant. Donc là, voilà, on se retrouve avec une pomme comme ça. J'ai juste collé un sapin. Je trouve qu'il se suffit à elle-même, il n'y avait pas besoin de plus. Encore là, ici, tu vois ces petites pochettes-là, ça correspond bien à ce que je t'expliquais tout à l'heure. Tu vois, quand les deux fonds des petits sachets sont collés, le fait que tu colles pas en bas, et eh bien ça te fait une pochette. Et donc c'est ceci, c'est cette pochette là. Et donc ici, j'ai mis encore un petit vrai. Voilà, Mademoiselle Mouti. Ça aurait été bizarre qu'elle ne soit pas là, celle-ci. Donc voilà, un petit livret avec un petit renard. Oh, Mouti, c'est pas le moment, ma puce. Oh, vraiment, Mouti, c'est vraiment pas le moment, là. Oui, mon cœur. Donc voilà, ici, avec un petit ours polaire, vraiment, il se suffit à lui-même. Attends. Voilà, excusez-moi, je reviens. Donc, on arrive sur un autre rabat. Donc, voilà, tu vois là, on retrouve encore le petit lien en U, là, la petite bout de papier en U que j'ai plié en U. Donc, encore un rabat. C'est vraiment le même principe à chaque fois. Sauf ici, voilà, j'ai collé un petit brin de houx. On retrouve ici, hop, toujours pareil. Voilà. En accordéon. Tu vois, ici, j'ai pas pu mettre pareil des deux côtés parce que ben j'avais plus de papier comme ça. J'avais plus de papier comme ça, donc il a fallu que je mette un comme ça. Et donc, ici. Ah oui. Oui, c'est ça. Ici, j'ai mis du glossy accent. Ici aussi, pour mettre un peu en relief le cœur de la rose. Ici, ça a collé à côté, mais j'ai laissé comme ça parce que sinon, ça aurait arraché le papier. Mais bon, je me dis que c'est pas très, très grave en soi. Bon, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop parce que mon massicot, il s'est un peu fatigué. Les lames de mon massicot étaient un peu fatiguées à la fin. Et ça m'a donné des coupes pas très très jolies. Ah, il va falloir que je...
Fasse attention parce que j'ai encore laissé les mesures ici. Va falloir que je les enlève. Coupe. Ah, attends, parce que j'ai oublié de fermer ici. Voilà. Alors, ici, on tombe sur un fer. Donc, j'ai mis ce petit papier craft pour montrer à Titi qu'on peut mettre une petite photo. Voilà. Ici, une autre petite pochette où j'ai mis des petits tags, des petits crapitules. Un petit tag que j'ai fait. Bête comme chou. Et à la fin, j'ai mis un Merry Christmas. Et voilà comment est le dos de l'album. Voilà mes petits loups, pour c'est fini pour cette présentation d'album de Noël pour le concours de Scrap Titi. J'espère que mon album vous a plu. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez. Je vous fais des énormes gros bisous d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et moi, je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo, mes petits loups.